Salut YouTube, ça y est, on est sur Diablo 2. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire notre première quête qui nous a été donnée par une maman dont le mari et l'enfant ont été assassinés et qui nous demande d'aller nettoyer les égouts. Donc on n'est pas dans Mario, mais on est quand même dans un jeu où on nous demande de nettoyer les égouts, de faire le boulot de plombier quoi. Super hein. Donc on avait la dernière fois acheté, enfin loué les services d'un Merco. Et donc les Mercos ouais sont vraiment pas mal à l'acte 2. Hop, hein. On peut vendre ça normalement. Donc là on pouvait les vendre que 5000 à l'acte 1. 10 000, alors putain j'atteins le max aussi. Donc ça c'était 5 000 à l'acte 1 et maintenant on peut le vendre 6 149. Donc évidemment on a fait une bonne affaire de le garder. Et vous voyez que celui-là on peut le vendre 10 000 et en fait c'est le maximum à l'acte 2. Et donc bah on verra combien on peut le vendre à l'acte 3. Hein. On va le garder et ça nous fera des sous en plus quoi. Hop, voilà. On remet les sous dans le chose. On est bien là, on a de la mana, tout ça. On est bien là. C'est quoi notre truc? Plus 6 au mana, c'est cool. Plus 3 au mana, c'est cool. Le score d'attaque et dégâts de poison. On avait quoi là? 7 au point de vie, résistance au feu. Foudre. Poison. De l'or. Non mais l'or, on est pété de thunes, on s'en fout. Let's go! Et donc elle nous a dit, eh ben faut aller aux égouts. On va commencer par créer des... Hop, est-ce que je suis bien là? Ouais, je suis pas mal. Il se fait défoncer direct. Quoi? Attendez, il y a un problème là. On se fait défoncer. Oh là là. Ah mon pauvre Merco, il s'en est pris plein la tête. Il me semble qu'on peut lui en donner, non? Attendez, si on appuie sur Shift. Shift clic. Non, ça ne marche pas. Contrôle clic. Ça ne marche pas. Alt clic. Ça ne marche pas. Non, mais on peut lui donner, regardez. Vous voyez? Hop, ça lui donne de la vie. On s'est fait défoncer dès le premier truc, quoi. Ça n'augure rien de bon, si vous voulez mon avis. Ah bah mon golem s'est fait défoncer. Ah par contre voilà, les dents c'est bien quand elles sont bien alignées comme ça là. Ah, les potions de vie sont quand même mieux qu'avant. Merde. Je me demandais pourquoi ça marchait pas. J'avais pas sélectionné le bon sort. Alors, je dois trouver de la nana.
Attendez, faut que je leur mette plein la tête à eux. Merde, je me suis gouré. Ok. Un saphir, un diamant, potion de vie. Tout le monde allait en forme. Merde. Nice. Reblacky, comment tu vas? Ils sont combien? Ok, le casque, il sert à quelque chose. Je viens tout juste de me réveiller. Je vais déjà y retourner. Je t'avouerai que je me suis levé de la sieste parce que j'avais envie de streamer, hein, mais mais qu'est-ce que j'étais bien dans mon petit lit là. Ah, une ruine. Ok, les égouts niveau 2. Pourquoi j'utilise pas mes stats là? Puis de l'énergie parce que... Ça commence à craindre. Qu'est-ce qu'on pourrait augmenter? Vie plus 40% pour 1 point. Quand même pas dégueu hein. Allez go. On va full clear hein. On va faire comme dans Isaac hein. On va full clear les étages. Oh là là là. Et donc voilà, on pouvait aussi arriver par là. Sanctuaire de résistance au poison. Pas grand chose là. Bah le jeu. Alors super, j'ai mis à jour. Alors là jusqu'à maintenant je jouais avec une version de mes drivers. Hier j'ai mis à jour mes drivers graphiques. Et justement il y avait une... Dans le patch note il y avait un truc qui disait... Oh là là, Diablo 2, 13% 13% de puissance en plus pour le jeu, vous allez voir, il est méga fluide maintenant. Et finalement ça ramait pas avant, mais ça rame maintenant quoi. Est-ce que AMD se serait pas foutu de ma gueule, par hasard? Ah merde, me dis pas que j'ai fait tout ça pour rien. Si. Comment on fait pour... Ah mais voilà. Merde, je suis revenu jusqu'ici pour rien finalement.
Dommage. Donc il y a les flèches en fait sur le clavier qui permettent de bouger la carte. C'est bon à savoir. Eh merde. Qu'est-ce que je voulais faire? Alors à savoir, on ne peut pas mourir du poison dans ce jeu. Ça peut nous mettre à 1 de vital. Mais ça ne pourra pas nous tuer. Ah, ils sont vraiment pas entretenus ces égouts. Hein. Je trouve ça honteux moi. Merde. Ouais, faut vraiment que je fasse quelque chose. Merci. Faut pas que j'utilise Vierge de Fer. Affaiblir doit être mieux, je pense. Hein. Ils feront moins mal. Et la portée est beaucoup plus grande. Parce que là, la portée sur amplifier les dégâts, c'est bien, mais... Ouais. Ce que je veux, c'est que les ennemis fassent moins mal. Il y a beaucoup trop de bestioles là-dedans. Ouais, non mais... Donc on mettra toujours autant de temps à les tuer. Mais... Eux pendant ce temps-là ils nous feront moins mal quoi. Des clés c'est cool, j'en avais plus. Ah merde, j'ai attiré tout le monde là. C'est une connerie. Mon golem. Mon gogo, mon lelem. Mon golem. Je peux le soigner, mon golem. Lui, je peux lui donner, mais mon golem, je peux rien donner. Hein. Ah, mais il se régène. Ah, le golem se régène au fur et à mesure. Ok. Attendez, j'ai pas vu les. Quoi? Recharge de mana. Vas-y, je vais pouvoir y aller là. Merde.
Mais en fait, je devrais utiliser explosion morbide en fait. Explosion morbide, là, vu qu'il y a vraiment des packs de monstres. Ça marcherait super bien, quoi. J'attends qu'il y en ait un qui tombe, là. Et après... Voilà. Bah ouais. Forcément, ça marche mieux. Un peu de combat ne sert pas à grand chose. Putain, mais ils avancent trop vite en fait, ils sont cons. Ah, ici nous avons le niveau 3. Voilà, faut pas être à côté eux quand ils meurent parce que sinon... On est empoisonné. Ok, une popo. Bah allez, allons-y, remontons. Bonjour. Bonjour. Alors. Vas-y. Vas-y. 15. J'ai déjà 15, mais est-ce que mon pote... Est-ce que mon pote, il a 15 ou plus? Bon, il a 16. Ok. C'est combien ça? Force nécessaire 30. Force nécessaire 51. Faudrait que j'ai au moins 51 quoi à un moment. Hein. 5 au point de vie, résistance au poison. Ça donne un emplacement de plus dans le... dans la ceinture. C'est bien, on a des runes différentes. Et un diams. Et de la thunes. Ça va vite hein. Finalement ça va vite hein. Je disais 2 millions. C'est nul mais... ça va peut-être arriver plus... Enfin 2 millions on va jamais y arriver. Finalement on va peut-être y arriver plus tôt que prévu. Shift click ne marche pas. Si 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 ça marche. C'est juste que... C'est des habitudes à reprendre quoi. Genre mes touches de fonction là je les connais pas encore, c'est une catastrophe. Eh merde, je suis passé en plein dedans. Quel con. Ok, bon, j'ai tout vu.
Ça, le bug existe toujours. Donc si vous êtes pas du bon côté des escaliers, vous avez beau cliquer dessus, ah ouais, il se rapproche du bord, mais il ne va pas rentrer. Regardez, hop. Donc, ils ont vraiment gardé les bugs d'origine. Ça, par exemple, on aurait pu s'en passer. Hein. D'être obligé d'être du bon côté du truc pour que ça marche, franchement, on s'en fout un peu. Hein. C'est gentil les gars d'avoir gardé le même moteur. Franchement, j'aime beaucoup, mais. Un bâton noueux. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Il y a des aptitudes de sorcière dessus. Voilà, alors, hop, paf, paf, vie, réjuve, tête de zombie, sceptre, lame de poignée, réjuve. Ah les chatons, j'avais oublié qu'il y avait des chatons. Et ça, les petits chats. Ouais, non, 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 mais vous barrez pas. Non, non, venez là, venez là, venez là. Ils vont au combat direct. C'est ça qui est ouf. Hein. Ils vont vers les embrouilles direct. Hein. Pose pas de questions. Non mais allez-y, bloquez la route. Hein. Oh les petits chats quoi. Les pauvres petits chats. Bon, revenez par là. Deux secondes. Deux amures d'os. Il est pas ouf, mais ça se revendra bien. Résistance à la foudre. Non identifié, ok. Enfin, c'est cool, j'ai de la vie, mais moi je veux de la mana en fait là. Ah merde, vous avez pas vu. Et mon Merco qui traîne dans le poison au calme quoi. C'est pas les plus malins. Hein. Clairement, c'est pas les plus malins. Mais arrêtez, revenez.
quelle bande de cons. Ils peuvent pas s'en empêcher hein. Je dois trouver de la mana. Pourquoi j'ai récupéré ça moi? Hop. Sanctuaire de santé, merci, mais on s'en fout un peu. Alors, potion de vie, potion de vie. Ensuite, sanctuaire d'armure, c'est bien. Ok, c'était pas par là. C'est plutôt cool vu que j'essaie de tout faire. Vu que j'aime bien full clear. Sanctuaire de portail, je les avais complètement oubliés eux. Restez un instant et écoutez-moi. Ah, 10 000. 10 000, donc on va attendre le prochain. 66 balles. Dommage. Par la santé. Ok. On va mettre de la mana à la place. Oui, et puis ça. Je vais me mettre là. Dans les trucs à vendre au prochain. Au prochain acte. Oula, oula, oula. Alors lui normalement il
Il fait revivre ses petits camarades là. Mais étonné que je les ai utilisés moi. Pour faire pop des squelettes. Et je les ai fait exploser. Du coup il a plus rien à faire revivre. Donc là il se retrouve comme un con tout seul. Et je l'ai défoncé. Pourquoi tu attends le prochain acte? Parce qu'en fait à chaque acte il y a un... Merde. Il y a une somme maximum en fait de par de vente. Et donc au premier acte, tu peux vendre un objet que 5000 maximum. Et au deuxième, là c'est 10 000. Donc en fait là si j'essaie de vendre un objet et qu'il met 10 000 en fait, c'est parce que en fait il pourrait être vendu plus au prochain acte. Donc autant attendre le prochain acte et puis le vendre plus cher quoi. Étant donné que c'est pas le pognon qui me manque là, je peux attendre le prochain acte en fait pour le faire quoi. Ah bah potion de mana je la prends même pas. Tout à l'heure je chouine que j'ai pas de potion de mana et puis là il y en a une, je la prends pas. Ah, le parchemin aura dream. La chance nous sourit. En plus, je suis le seul à pouvoir le déchiffrer. Ah bah alors ça tombe bien. Après avoir emprisonné Baal à l'intérieur de Tal Racha, les magiciens Oradrim ont coupé la chambre funéraire du royaume des mortels. Ces mêmes mages ont créé les bâtons Oradrim et leur ont conféré le pouvoir d'ouvrir la porte secrète de cette chambre. Ayant failli s'en faire voler un par un sorcier rock, ils les ont divisés en deux parties. Le manche et la partie supérieure en métal pour plus de sécurité. Seul un valeureux héros peut retrouver ses éléments. Oh, c'est moi ça. Une fois en possession des deux parties du bâton, assemblez-les à l'aide du cube Oradrim. Cette tâche terminée. Très bien le cube Oradrim. Pénétrer dans la chambre funéraire de Tal Racha. Très bien le cube Oradrim. Très 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 bien le cube Oradrim. Moi je l'attends avec impatience. C'est quoi ça? Clic droit. Ah ça m'a rajouté une compétence à... D'accord ok. Salut. Et ça on s'en fout. Pas mal mais on s'en fout quand même. Je regarde si j'ai pas un truc pour mon Merco. Un trident ou un truc bien quoi. A priori non. Ça, pas grand chose. Le cube est dans le couloir des morts, sous les collines arides, le manche du bâton est dans le repère du ver, sous l'oasis noire. Oh là là. Partie supérieure dans le temple des vipères. Il paraît que la vengeance laisse un goût amer, mais peu m'importe. Je vous offre mon éternelle reconnaissance. J'ai aussi parlé de vous aux autres habitants de cette ville. Les marchands vous offrent d'acquérir leurs marchandises à prix réduit. Et quant à Jérine, il veut vous rencontrer. Vous le trouverez devant le palais. Ah ! Ça y est. Ça y est, ils veulent commencer à me parler maintenant. Et donc là, j'aurai une compétence de plus. Vie des monstres et des dégâts des monstres. Ah! Quand j'aurai réanimation, ça m'aidera aussi, ça. Dedans de mur d'os, de cache thoracique et d'esprit d'os.
toute façon, je pense que je vais faire comme d'habitude. Je vais mettre un point de compétence au moins dans chaque truc. Peut-être pas dans les malédictions. Parce qu'il y en a, ils sont pourris. Hein. Allez, golem, chaque niveau dans le golem rajoute des trucs quoi. Vie des squelettes. Je suis bientôt au niveau 18 ou pas hein? Ouais. Ouais, 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 on s'en rapproche. Bon, allez, on verra plus tard. Merde, je suis passé derrière. On ne passe pas. Bah si. L'écho de vos exploits est venu jusqu'à moi. Je sens que je peux vous faire confiance et vous révéler une chose dont je n'osais vous faire part. Drognan et moi-même avons conclu que le rôdeur qui est passé ici récemment n'était autre que Diablo lui-même. Drognan croit que Diablo arpente le désert à la recherche d'un tombeau où le grand mage Oradrim, Tal Racha, tient Baal emprisonné. Vous devez trouver Diablo et mettre un terme aux maux qui s'abattent sur notre cité. Drognan est un sage, et il pense avoir de précieux indices à vous confier dans votre quête du tombeau de Tal Racha. Cette quête sera sans doute longue, mais préparez-vous au pire. Ok, bah je vais lui parler. Drognan, il est à la sortie de la ville, je crois. Ouais, ça. Salut. Bah... Ok, donc j'ai la dernière quête. J'ai déjà la dernière quête. Faut que je trouve le tombeau de Tal Racha. Ah bien. Elle est pas ouf celle-là. Celle-là, elle est pas ouf. Je... Merde. Elle est pas ouf, je vous l'accorde. Pourquoi ? Pourquoi je me suis gouré de trucs? Pourquoi je prends pas des potions? Oh, attendez, la vie, je m'en fous en fait. Voilà, hop. Bon, c'est parti, on va sortir. Ah non, regardez, il y a des oiseaux comme dans Horizon. Je les aime pas. Bon bah une amulette, vas-y. J'aime bien ça les amulettes par contre. Le farfadet des sables.
C'est chiant. Il saute partout, il se barre. Salut Number 80. Salut Number 80. Comment tu vas-tu? Bravo AMD. Hein. Le driver, pour plus que ça ramouille. le jeu qui rame depuis quoi. J'adore. Hein. Merci beaucoup. Hein. Ah merde. Ah ça y est, c'est les fameux ennemis avec de l'électricité. Ça va être l'horreur. Merde. Il est déjà en rate de mana le gars. Non. Ah bah le tombeau de pierre. De qui? De pierre. Ah merde, j'ai plus de nana. Zut. Oh, ça m'a coûté cher ces conneries. Merde. Eh B. J'ai perdu mon pote en plus. Hop. On va aller le ressusciter, hein. Bonjour. Bonjour. Ah oui. Alors on a quoi? Résistance au froid? Non bah non. Moi j'aurais préféré une petite résistance à l'électricité là vu comment je m'en prends la tête. Euh...
une rune. Bon, encore une nouvelle. C'est vrai que je commence à regarder les mots runiques. Avec possiblement beaucoup de retard. Un petit peu, mais pas beaucoup non plus. Ça y est, les 100 000 balles sont passées. Allez, on va aller chercher mon pote. Ok, on est déjà au niveau 2. Oh mais encore eux, mais c'est infernal. Je sais pas pourquoi je l'ai activé, mais c'est pas grave. Eh merde. Alors ça, ça me bouffe un max de mana. Mais derrière, ça marche bien. Hein. Ça pour que dalle en plus. Ça m'a filé absolument rien. Hein. Et pourquoi machin il a pu... Pourquoi on a plus l'aura? On n'est pas censé avoir une aura de défense là? Non mais c'est... Je vais crever. Oh merde, ils me viennent par là. Oh là 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 là. Il y a une réjuve. Attendez parce que... Voilà. Merci. Je me suis encore gouré de boutons. L'autre il fout rien lui. Il s'est mis dans le coin là.
Je suis encore aux osselets. Salut Johanna. Pas simple hein. Ok, vas-y, épée courte, potion de mana. Alors, là on va rire. Déjà je me mets full mana. Attends, j'ai déjà récupéré tout ça d'expérience depuis que j'ai monté de niveau. Et là, lance d'os. Et là, golem de sang. Et là on commence à rire. Balance de vie. Balance, 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 balance de vie. Soit vision diminuée, désorientée et attraction. Franchement, je mettrais 0 points dedans, c'est nul. Décrépitude, ça peut être pas mal. À haut niveau, ça commence à faire des trucs sympas. On s'en sort sur le cadavre d'un monstre pour libérer un gaz toxique qui empoisonne les autres monstres. J'en avoir besoin pour avoir Nova à un moment. Donc de toute façon, je vais mettre un point dedans. Bon bah est-ce que mon gogo, maintenant je vais prendre un autre gogo, regardez, je vais prendre lui. Oh, oh il est beau, regardez comment il est beau. Regardez comment il est beau. Regardez comment il est musculeux. C'est mon petit golem de sang. Oh là là. Allez, venez. Venez vous faire casser la gueule, les monstres. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Allez, v'là. Ah mais j'ai toujours ça moi. Voilà. Et maintenant j'ai lance d'os. Ah là on fait du dégât là. Potion de mana, une clé. Le parchemin, c'est ok. Alors, vie moyenne, mana. Bah, non, la mana, faut la prendre. Alors, un grand charme, une cervelière, une tête. Mana moyenne. Identification, potion de mana. Et je suis plein donc je retourne en ville. Bonjour. Ah bonjour. Que puis-je pour vous? Revendre des trucs. Plus 3 à la défense. Un peu nastier. 5% de chance de lancer Nova de Givre, niveau 3 quand touché. Oh! C'est rigolo. Ça sert à rien, mais c'est rigolo. ça sert vraiment à rien. ...33 dégâts supplémentaires. Ah! Ah! 19 à 33. Eh. Pour mon petit pote, ça.
Mais les spétums, il peut les utiliser. T'en es où dans le DLC d'Horizon? J'ai fini. J'ai fini vendredi. J'ai fini Horizon là. Ouais, c'était vraiment cool, hein, c'était vraiment cool. Les griffes de feu, ça a été quelque chose. Hein. Ça a été quelque chose. Et heureusement que je joue en normal, quoi. Là, on est à 30,54. Et si je lui mets ça... Merci. 46,80. Ah ouais, bah ouais. Ouais. Non, vraiment, le DLC était... Enfin, de toute façon, le jeu de manière globale... Heureusement que tu avais... Ah ouais, non, mais carrément... Ah oui, non, mais totalement, par contre. Hein. Ah, mais l'armure, elle m'a sauvé, mais un millier de fois, quoi. Contrôle, ensuite... Non, je vais commencer... Alors, je voulais commencer... Après, je vais peut-être pouvoir faire les deux en même temps. Parce que j'ai plus trop de jeux dans le backlog, là. Enfin, pas dans le backlog, mais en cours en même temps. Mais je voulais commencer à Outer Wilds hier soir, et en fait à Outer Wilds, j'ai galéré pendant plus d'une heure pour arriver à le faire tourner dans OBS. Enfin, pour pas que OBS rame du cul à mort quand je lançais Outer Wilds. J'ai finalement trouvé ce qui allait pas et comment faire. Mais ça m'a pris du temps et du coup ça m'a saoulé, j'ai pas eu envie de... C'est celui avec la boucle temporelle ou c'est le jeu d'aventure? La boucle temporelle. Et du coup ça m'a pas saoulé, mais j'étais claqué, quoi. Passer plus d'une heure à essayer de trouver, à faire des paramétrages, à mettre des trucs et tout. Mais je commence ce soir à Outer Wilds. Ça va être chouette. Voilà. Tombeau de pierre. Ouais, c'est là où j'étais. Hein. Mais peut-être contrôle en même temps. Hein. Je sais pas si je peux me permettre de mettre contrôle en même temps. Tu joues ce soir à la place de la soirée multi, moi qui croyais que t'avais un truc important. Bah c'est important. C'est important, je voulais déjà y jouer hier soir, j'ai pas pu. D'où tu considères... D'où c'est toi qui choisis ce qui est important ou pas pour moi? D'où? Là-bas, lui. Ok. C'était où? Non, c'est pas ça. Journal de quête. Ah, dans le couloir des morts. Et là, je suis dans le tombeau de pierre. Je suis pas du tout dans le couloir des morts. Moi qui pensais que le cube Boradrim, j'allais le trouver tout de suite. Jones, pour que tu me craques pas, il y a un souci d'ennemi awareness dans contrôle, je trouve. Ça, c'est-à-dire... Je
vais juste me chercher mon thé pendant que tu me réponds, tiens. C'est-à-dire que parfois tu ne vois pas, ne comprends pas facilement où sont les ennemis. Et comme ils te tuent en deux coups, ah d'accord. En train de me dire que c'est un jeu où je vais péter un plomb quoi. En temps Number 80, je vais jouer à un jeu qui va me faire péter un plomb. Est-ce que ce n'est pas formidable ? Le jeu qui rame des fois là. Pourquoi ? Pourquoi le jeu tu rames comme ça des fois hein ? Les ennemis avec l'électricité comme ça, c'est les pires. C'est vraiment l'horreur à chaque fois. Le jour à mouille. Moi j'ai un de mes squelettes qui a été tout seul là. Merde. Une baguette en if. Ça y est, je commence à tomber sur des baguettes. Merde. Alors on peut les toucher que quand ils sont au sol. Je me rappelle pas de ça. Et du coup dans le jeu, dans Control, hein, Johanna, c'est voulu le fait que ça soit... Tu galères un peu à trouver les ennemis ou... Enfin, qui est en train de te tabasser, c'est ça? Alors il y avait un ennemi dans un coffre. Qui me... Je pense que non, d'accord. Un petit anneau. Potion de vie.
Faut vraiment que je commence à trouver des objets qui volent la mana quoi. Pourquoi moi j'ai pas le... Ah bah quand même ouais. J'allais dire pourquoi moi j'ai pas le... L'aura. Il a fini par me la donner. Quand même. Ah, là c'est sûrement passage vers un autre morceau de la map. Évidemment mon glandu de golem qui s'est mis en plein dedans. Hein. Attendez pourquoi ? Ah ok c'est bon. Oh, mais le jeu qui rame là ? Pourquoi ? Ça ramait pas ? Oh, putain les drivers de merde. Les drivers qui sont censés améliorer les FPS hein, dans Diablo 2. Hein. Bien joué AMD. Hein. T'arrives pas à sortir de ton lit à trouver de la motivation. Tu veux que je t'engueule ? Déjà il te faut de la motivation, pourquoi ? On est dimanche. Dimanche on n'est pas censé avoir de la motivation. Hein. Le dimanche c'est censé être pour glander. Elle veut que tu joues avec nous. Hop 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 hop. On ne fait pas du chantage affectif. C'est moche. Le chantage affectif c'est pas beau. C'est prout de caca. Attendez, les couleurs des morts, c'est ouf. Sous les collines arides. Et là, on est dans les collines arides. Donc, ça va être dans le coin. Pas vrai, j'ai envie de te voir sur Outer Wilds moi, donc voilà. Ah vous voyez ? Salutations. Salutations. Alors ça c'est quoi ? C'est nul. Ça c'est quoi ? C'est ok. On s'en fout. Et ça ? Plus 2 armure d'os, plus 3 affaiblir, plus 1 à armure d'os. Et là j'ai plus 1 à ressusciter un squelette. Peut-être falloir que je la change à un moment, non. Mais mur d'os, 3 affaiblir, ça va augmenter mes... Attendez. Compétence. Non pas compétence. Faut que je regarde là. Dans ma fiche de perso. Lance d'os, 10-25. Et là, je vais dans mes compétences. Ah, mais je peux pas tout faire en même temps, en fait. Regardez, 10-25, et là. Toujours 10-25. Alors que mur d'os est affaibli. Non. Ouais.
Mais en plus, il est serti. Je pourrais mettre un truc dedans. Qu'est-ce que je pourrais mettre dedans? Je pourrais mettre un joyal. Dans les armes, dégâts contre les comptes morts-vivants, on s'en fout. Plus 2 de mana après chaque victime. Ah. Et ou alors, j'attends, oui, bah voilà. Je pense que je vais mettre un petit crâne en fait. J'ai relancé la copine pour M, toujours rien. Ah merde. Merde. Mais la maman est toujours là ou pas? On peut pas le partager ça. La jambe elle est impartageable. Mmh. Ça c'est certi? Non, c'est pas certi. Ouais, ça va être bien. Ouais. Je vais mettre un crâne dans. Mettre un crâne dans ma baguette, ça va me récupérer du mana à chaque fois. Ça va être parfait. Hein. Bon. Sortir du lit, c'est chaud. Ah, mais vous êtes dans le même lit avec avec Blacky ou quoi? Vous avez le même lit, c'est ça? Alors, je peux toujours en faire 3, c'est bien. Bonne nouvelle ça. Ils vont juste être un peu moins puissants, mais. C'est quoi que j'ai? Affaiblir. Affaiblir du coup est meilleur maintenant. Ça m'étonne quand même. Normalement je suis censé recevoir des... Ah mais vu que j'ai pas mis de points dedans... Ça compte pas? 2 par objet. Ah, si j'ajoute 18-27, on a augmenté un peu. Mais en fait, les points que j'ai par un objet, ça donne pas d'avantage. Dans les autres compétences quoi. Il n'y a pas la synergie. Il n'y a pas William synergie avec les points rajoutés par par du merdier quoi. Un charponneur. Oh non mais arrête. Moi j'ai du mal encore plus avec les médocs. J'ai pas compris, tu fais un invocateur pur ou tu montes tes sorts d'attaque aussi? Ah, je suis plus attaque moi. Je vais plutôt...
ça va être plutôt Lance Dos et compagnie que je vais monter. J'ai quand même les invoques parce que c'est quand même intéressant d'avoir les invoques pour se prendre les dégâts en premier quoi, mais j'aime bien faire des trucs dans ma partie quand même. Je suis une feignasse mais pas tant que ça quoi. Je sais pas pourquoi ça rame. Merde, on peut leur taper dedans. Ceux qui sont en haut, on peut pas leur taper dedans. Non mais jouer à Titan Quest ou à Grim Dawn ça rame moins. Mais non mais je pige pas pourquoi ça rame comme ça là. C'est ouf hein. Et ça V'là le stutter quoi. Truc bien chiant. Et j'avais pas ça sur mes... En fait c'est depuis que j'ai mis à jour les cartes, la carte graphique hein. Enfin les pilotes. Alors que... Il disait justement que ça allait améliorer le framerate dans Diablo 2. Super les gars, hein. Bravo. Hein. Vous avez bien assuré sur ce coup là. Hein. Alors une topaze, une potion de vie, une potion de mana, une potion de vie. Mais c'est qui ces enfoirés qui piègent les morts quoi? Ils pendent les morts, ils leur coupent la tête et en plus ils les piègent.
Que c'est pas une belle bande d'enfoirés quand même. Je crois que je vais rastaller un de ces 4 HNS. Me relancer une partie, tu me donnes envie là. Quoi HNS? Hack and slash. Et il y a un hack and slash qui s'appelle hack and slash. Un des quatre. Ok, Ok, non mais comme d'hab, c'est moi qui sais pas lire. Hein. C'est pas un de ces quatre, c'était un des quatre. Ouais, non mais je sais pas lire. Hein. Merci Jonas sur la trad. Non mais bon, j'étais pas loin. Là, vous avouerez que j'étais pas loin. Des fois, je lis mal, mais on est très loin. Mais là, un des quatre et un de ces quatre. Proche. J'étais à pas grand chose d'avoir bon. Hein. Tout allait bien, mais je te donne une potion quand même. Dis-moi merci, mec. T'as le choix entre Sacred, Titan Quest, Grim Dawn et Torchlight 3. Mais écoute, j'en connais aucun. Donc fais-toi plaisir. Moi, je suis fidèle à Diablo, moi. Je veux pas les copier. Hein. Moi, je n'aime que Diablo. Allez, les couleurs de ces morts. Et sinon, il y a un jeu qui se nomme Hack and Slash, qui est un puzzle game de Double Fine Production, mais qui est pas un hack and slash. C'est un jeu de mots sur le fait que le personnage principal est armé d'une clé USB pour hacker les objets et co dans le jeu. D'accord, ok. Parce que sinon, un hack and slash qui se serait appelé Hack and Slash. Moi je vais faire un jeu de plateforme, il va s'appeler jeu de plateforme. Hein. C'est bon hein, si on commence à pas avoir d'originalité dans les noms. Ah ça y est, on commence à voir les gars qui ressuscitent les potes là. Ah baguette en if. Torchlight 3 semble super bof. Secret des vieux. J'avais beaucoup aimé. Tata une quest, j'ai suivi des amis dessus, j'ai bien aimé, faudrait que j'y retourne. Et Grim Dawn, jamais fait. Grim Dawn, Blackie a touché une fois. Bonjour. Ah j'ai. Ah bah ah, mes popos qui étaient par terre. Elles sont où? Pas trop mal pour une arme ça. 5 pour... Ah oui c'est vrai qu'il y a ça. Il y a les pourcentages de chances d'obtenir des objets magiques.
J'avais oublié qu'il y avait ça aussi. En fait, vous pouvez vous faire full stuff, pourcentage de chance d'obtenir des objets magiques. Et après, parcourir le monde en espérant tomber dessus. J'avais oublié qu'il y avait ça. J'avais totalement zappé cette mécanique. Non. Putain, ce pognon. Torcher, pas toucher. Hein? Ah, Grimdawn, je l'ai déjà torché une fois. Ah ouais. Alors ce petit Diablo 2, c'est ok? Ah ouais, non mais j'ai envie d'y passer ma vie. Hein. Coucou à Vorpal. Et clairement, j'ai envie d'y toucher ma vie. C'est rigolo, ils ont laissé même tous les bugs de l'époque. Tous les bugs et les trucs chiants de l'époque, ils les ont laissés. À se demander pourquoi on a payé si cher ce remaster. Vu qu'ils ont juste refait les graphismes. Attendez, y a copain là-bas là. Ça, pour l'instant, je les éclate facilement. 40 balles, ça fait mal quand même. Mais je crois que je l'ai eu moins cher. Enfin, je sais plus en fait. En fait, j'étais tellement hypé, je sais plus si je l'ai payé 40 balles ou pas. Parce que je l'ai payé dans une... Ah putain, c'est vrai qu'il y a des pièges. Parce que je l'ai acheté avec le un bundle, moi. Et je sais pas si du coup c'était aussi cher que ça ou pas. Maybe en fait. Je me suis peut-être fait baiser. C'est un build bizarre pour des nécromanciens, j'essaie de comprendre. Mais j'ai envie... Non mais ça y est. Ça y est, si on ne suit pas à la lettre le tutoriel comment avoir un truc pété en 2 secondes, est-ce que je peux pas jouer comme j'ai envie de jouer? Serait-ce possible? Un bulle bizarre. Je vais être vraiment nul en communication en vrai, j'ai pas dit que ton build était mauvais ni que tu pouvais pas faire ce que tu voulais. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est plutôt moi en fait qui interprète, je pense. J'ai une tendance à la surinterprétation peut-être. Et du coup, c'est peut-être de ma faute. Il n'y a peut-être rien à comprendre en fait dans mon mix en fait. Par contre, tu vois. C'est peut-être juste que j'aime bien mettre des points dans toutes les compétences. En fait, pour moi, les compétences... Ah, regardez, dans le genre, les bugs. Dans le genre, les bugs qu'ils ont laissés, vous voyez, c'est marqué la porte est fermée. Et en fait, la porte n'est pas fermée du tout. Vu que mes copains... Regardez, hop. Voyez? Et genre, ça c'est des bugs qui existaient à l'époque. Et c'est des bugs qui n'ont pas été corrigés. Ça existe toujours. Alors ça, je pense qu'on aurait pu... ouais, ils auraient pu faire quelque chose quoi. À mon avis. Mais voilà. Est-ce que tu peux respecter dans le jeu? Ouais. Alors, y avait pas au départ... Au tout départ, dans le jeu d'origine, tu ne pouvais pas.
puis, en fait, il y a une quête à l'acte 1 maintenant qui te permet de respec une fois par niveau de difficulté. Donc c'est voilà, en mode normal tu peux respect une fois, en mode nightmare tu peux respect une fois, et en mode L tu peux respect une fois. Et en fait maintenant de ce que j'ai lu, tu peux récupérer un objet, tu peux faire... c'est que en L, mais tu peux récupérer des objets sur les boss, et tu les combines avec le cube Aura Dream, et ça te donne un objet qui te permet de respect. Donc en fait maintenant tu peux respect à l'infini quoi, parce que... Si jamais tu refais ce truc là, aller chercher les objets sur les boss, tu peux le faire autant de fois que tu veux. Avant il y avait que 3 respect max, et maintenant bon bah t'as plus qu'à refaire la quête là, puis après c'est ok quoi. Mais c'est quelque chose qu'il n'y avait pas dans le jeu d'origine par contre. Ça a été ajouté dans les DLC et les patchs après. Un golem et un dent. Mais non, j'ai truc mieux. Ah bah attends, mur d'os, affaiblir. Ouais, affaiblir, c'est cool là. J'ai l'impression qu'il marche quand même pas mal là, le affaiblir plus. Vers les couloirs de ces morts. Ah, et avoir pas du coup. Du coup. Ouais, j'ai trouvé pour... c'est bon pour Outer Wilds. J'ai vraiment fini... c'était bien ce que je pensais. Hein. Au final, c'était bien ce que je pensais. Et donc, j'ai réussi à faire un setup qui fonctionne dans OBS. Et donc, ce soir, ça sera du Outer Wilds. Bah, du coup, c'est con parce que... pendant mes tests, en fait, j'ai... Alors je me suis pas spoilé, mais j'ai découvert des trucs en fait. Sur les 2-3 tests que j'ai fait au début. Oula. Alors là, hop. Avec. Un joyal, ça faisait longtemps, tiens. Nice, hâte que tu commences alors. Toujours pas fini, mais quelques moments encore incroyables hier. Comment tu peux découvrir des trucs en faisant des tests? Bah, je me suis promené en fait. Je me suis promené et je suis mort. Et quand je suis mort, en fait, ça m'a mis le générique de fin. Donc voilà. Voilà comment je me suis rendu compte. Non mais je suis pas allé très très loin en fait, hein. je suis vraiment pas allé loin quoi, mais rien que le fait de mourir déjà... J'ai d'ailleurs débloqué un succès, j'ai débloqué le succès mourir en moins de 60 secondes. Voilà. Le mec il a pas commencé le jeu, il a déjà débloqué des succès quoi. C'est pas une grosse dégo... j'imagine que c'est l'un des premiers trucs que tu... j'imagine que c'est l'un des premiers trucs que tu découvres quoi, mais... sur le coup... Je meurs, je vois le générique de fin... Là je fais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Puis ça y est j'ai fini le jeu. J'ai trouvé... j'ai trouvé un trick pour finir le jeu... En 4 secondes. C'est pas du tout. Il y a un connard dans le fond là. Ça me rappelle Nier Automata, il y a un peu ça aussi. Je vois ça comme une fin alternative.
Ok. Mais sinon, ouais, non, Diablo 2. Y a vraiment, j'ai vraiment les feels de l'époque et je kiffe, quoi. C'est vraiment super, quoi. C'est, effectivement, ils ont gardé les bugs. Il y a des trucs genre, voilà, le bug des portes, là, franchement, c'est quelque chose qu'ils auraient pu corriger. Ça aurait fait chier personne. Hein. Mais bon, ils l'ont gardé. Mais sinon, ouais, c'est vraiment le jeu d'origine et ça, c'est tellement cool, quoi. Enfin, c'est tu reprends tes marques direct, quoi. Bien que ça fasse 20 ans. Ça fait 20 ans que t'as pas joué au jeu, mais tu reprends tes marques direct, quoi. Ok. Bah j'ai bien fait. Non. Ah, le poison, quoi. C'est vrai que l'acte 2 c'est l'acte du poison, quoi. Ça c'est pas ouf. Comment ça réparer tout l'équipement? Où est-ce que je me suis fait toucher? Pardon. Bah. Putain la Dex. Mais Rance, plus 5 PV, mais ça les rend quand? Ah la régène, mais c'est tous les combien de temps? On sait pas. Et ça, c'est vraiment plus 5 PV, mais si c'est une fois, c'est nul. C'est nul. Et ça, c'est quoi? Défense augmentée de 10, on s'en fout, du coup. C'est plus 5 au point de vie, c'est pas ouf. Résistance au poison, plus 5%. Et dégâts de 1. Comparé au fait de me faire chier avec pas assez d'emplacements. Honnêtement, on va prendre des emplacements. Hein. J'en trouverai une mieux que ça à un moment, mais ça on va le vendre. Ça, vivement le. Là normalement c'est, j'ai bientôt le cube Aura Dream. On va enfin pouvoir commencer à rigoler. Parce que là, ça m'amuse pas. Hein. Une arme pour mon pote. De 8 à 21. Ouais, t'as combien? De 19 à 33, ouais, non mais... Je trouverai jamais mieux. Je trouverai jamais mieux. Qu'est-ce que... J'allais dire, mais je suis où? J'allais dire, mais je suis où? Pourquoi? Ça y est, j'ai compris. Que j'ai pris le... J'ai pris le portail. C'est mieux.
Hop, allez. Les couloirs de ces morts. Ah, il est là mon coffre. Voilà, petite explosion de cadavre à la porte là qui a fait du bien. Hein. Ben voilà. Yes, le cube. Enfin. Enfin le cube. Potion de vie, ouais. Potion de vie, potion de mana, potion de vie, potion de vie, potion de mana. Et on va quand même aller faire la suite. Hein. Attends, là, c'est un jeu qui aurait tellement pu me plaire. Dommage que je l'ai tant regardé sur les streams des copains. Genre, t'as été vraiment spoil ou... Regardez ça, ce vieux bug là, le bug qui a 20 ans, qui a jamais été corrigé, quelle honte. J'ai vu beaucoup, ouais, même si j'ai pas toutes les ficelles, il y a certaines mécaniques que je connais. D'accord, ok. Tandis que moi, j'ai vu des. Enfin, ouais, j'ai vu des streams, mais j'ai tellement rien regardé dessus, quoi. Ah, une teutée. Merde. Mais non, regarde, parce que tu as le cube au Radrim et donc tu peux prendre la tête et la mettre dans le cube. Ouais, tu te la mets dans le cube. Tant mieux, t'as découvert, ça sera plus belle. Ouais, non, clairement, j'avais des streams en fond, mais j'ai jamais trop fait gaffe en fait à ce qui se passait dessus, quoi. Et donc ouais, non, je vais être no spoil, quoi. Le cube au Radrim. Ce cube au Radrim est un véritable cadeau du ciel. D'après les écrits au Radrim, ce cube permet d'assembler le bâton au Radrim. Pour ce faire, utilisez le cube comme un parchemin.
Lorsqu'il s'ouvre, placez les deux parties du bâton à l'intérieur et le pouvoir de transmutation du cube agira. Vous serez heureux d'apprendre que ce cube a d'autres applications d'ordre alchimique. Placez 5 gemmes de même type de qualité à l'intérieur. Il dit 5, c'est rigolo. Vous obtiendrez un gemme de qualité. Ah, est-ce que ça a été changé ça? Placez 6 gemmes et une épée dans le cube pour obtenir une longue épée. Vous pouvez également transmuter 2 carquois de carreaux en un de flèche et 1 carquois de flèche en un de trait. Excusez-moi, je dois retourner à mes grimoires et à mes formules. À mes grimoires. Allez, identifie-moi ça. Hop. Non. Et donc 1h40. Ouais, va falloir que j'arrête la VOD là. Botte lourde. Qu'est-ce que j'ai comme botte moi? Récupération rapide, défense, dexté, froid. Le regain d'endurance, c'est pas mal. Hein. Résistance au froid, réparation de durabilité, on s'en fout un peu. Récupération rapide après un coup. C'est la voix de Doc? Non. Non, non. Enfin, à vérifier, mais je pense pas. Tu sais, rester un squelette, on s'en fout. Voilà. Et là, j'ai ça. Alors, faut que je... Ouais, ça, par contre, c'est chiant. Faut pas ouvrir le cube. Hop, et donc maintenant, on va réorganiser tout ça. Voilà. Et on va faire une pause YouTube. Des bisous.